بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم اجعل هذا المجلس خالصا لوجهك الكريم يا رب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قال الله تعالى في القرآن المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا Frères en Islam, la fin de l'année peut approcher. Et comme une créature qui est intelligente, nous pouvons faire analyse de ce qui finit passer ça l'année-là. Alors, si dans une petite chose, nous finissons faire profit ou bien une bonne positivité dans la vie, alors nous, en tant qu'intelligents, nous pouvons guetter comment nous finissons gagner sa positivité-là, comment nous finissons gagner sa profit-là. Mais par contre, si nous finissons faire faillite ou bien finissons une bonne négativité dans nous, la vie, alors aussi, ça aussi, nous pouvons guetter comment ça va négativité là, fin vin dans nous la vie, ou bien comment ça faillite là, fin vin dans nous la vie. Alors, sa mentalité qui nous est envers ce qui nous appelle la vie dans ce monde là, sa mentalité là, les bons qui nous mettent ça dans tout l'aspect de nous la vie. Afin que tout le temps nous progresser, pas juste dans la dunya, mais nous progresser aussi dans l'akhirat. Quand nous guettons le monde en entier, tout finit bouleversé. Si entier aujourd'hui, il n'y a pas encore une solution concernant le réchauffement climatique. Docteur, il n'y a pas encore une remède pour ce qu'on appelle HIV ou bien SIDA. Professeur, il n'y a pas encore analysé, il n'y a pas encore fait l'étude. Comment pour capable faire ça pour les enfants, ce qu'on appelle 2.0? Comment nous pouvons faire pour enseigner autres? Comment nous pouvons faire pour apprendre afin que je prenne l'éducation au sérieux et pas une badinage? Autant problèmes de société liénant et le monde, pas juste une société, le monde peut faire face à ce problème-là. Alors pour chaque problème, nous avons besoin d'une solution spécifique. Qatada, rahimahullah ta'ala, lui dit إن القرآن يدلكم على دائكم ودوائكم كي certainement القرآن لفين enseigne nous ban maladie لفين enseigne nous montre nous ban maladie et en même temps لفين enseigne nous ban remède أما دائكم quant à maladie qui nous est une vraie maladie vrai problème qui nous est non فذنوبكم Vraie maladie qui nous est là, c'est nous ban péché. Vrai problème qui nous est là, c'est nous ban péché. Wa amma dawa ukum. Alors, quant à ce remède, ça ban péché là. Quant à ce solution, ça ban péché là, c'est qui était? Fal istighfar. C'est istighfar. C'est un récit qui fait rapporter dans Bayhaqi. Alors, péché, c'est ça même la source de tous nos problèmes. Nous avons beaucoup de problèmes dans la société, mais péché lien parmi ban source de nos problèmes et ce solution est bien simple. Solution pas besoin d'être grand professeur, grand docteur. Ce solution il commence avant tout avec istighfar. Capable quelque part nous peut penser mais qui istighfar peut faire dans la vie moderne? Qui estirfar est capable d'amener de molétude? Moi apprendre, moi me classe tous les jours, moi passer. Mais qui estirfar aussi est capable de faire de mon la vie mariage? Moi reste bien avec mon madame, moi respecte lui, moi donne ce droit. Mariage, moi c'est. Pourtant, estirfar, réalité de estirfar, il y a une façon pour nous gagner beaucoup de facilité l'au-dunya. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. L'idée d'un hadith, Abu Daoud. Elle dit, « Man lazim al-istighfar, ja'ala Allahu lahu min kulli dhiqim makhraja. » Celui qui persiste,
Celui qui fait vin en l'habitude, istighfar, en qui se constant de cela vie, Allah subhanahu wa ta'ala, lui pour faire sa personne sortir depuis toute sa détresse. Ça, premier. Deuxième, wa min kulli hammin farja. Et lui pour soulager sa personne depuis tout ce tracas, ce man inquiétude, comment nous dit lui. Et troisième, toujours avec istighfar, وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ. Allah subhanahu wa ta'ala pour donner ce risque, ce gain-pain, d'une façon qu'il n'est pas capable même prévoir pour gagner ça quelque chose là. Ou bien il n'est pas capable même compter comment il peut gagner ça quelque chose là. Toujours à condition qu'il istighfar là, c'est une quelque chose qui est constant. Quand on peut dire constant, pareil comment nous peut respirer l'oxygène à ce temps-là. Nous pas capable de dire vendredi nous respirer l'oxygène, samedi dimanche nous pas respirer. Comme ça aussi ça istighfar là besoin été besoin constant. Nous pas capable de dire jeudi jumaa allez on va faire 1000 istighfar, mais samedi dimanche tu connais week-end là. Week-end nous pas congé istighfar. Dis pas vous capable comme ça. Ça pas veut dire lazima, ça pas veut dire persister là ça quelque chose là. Quand on dit persister, il besoin quelque chose constant tous les jours. Léla que Allah subhanahu wa ta'ala nous boutou résultat quand nous peut persister l'eau là. Léla nous boutou vrai résultat quand Allah subhanahu wa ta'ala li pour enlever ma détresse dans sa le monde là. Et ensuite li pour faciliter nous gagne pain et surtout gagne pain ça même plus grand tracas dans sa le monde là. Si un djimoun peinen gagne pain, comment li pour vivre l'eau sa dunya là? Nous premier réflexe quand nous a un problème. Ou bien nous besoin quelque chose. Nous dire ya Allah, ya Rabb, nous lève nous la main, donne-nous ça le tout là. Oui, nous connaissons les affaires, c'est faux. Mais seulement qui nous dit ya Allah, ya Rabb, donne-nous ça le tout là. Ya Allah, ya Rabb, fais-nous passer à l'examen là. Mais Omar radiallahu an, l'ifin, enseigne-nous le contraire de ça. Une fois, tenant la sécheresse, l'époque Omar radiallahu an. Alors, il fait une sortie pour faire ce qu'il nous appelle Salatul Istisqa. C'est une salat spéciale quand il a la sécheresse. Alors, il fait une montre au mimbar. Il fait une montre au mimbar. Et quand il a la sécheresse, il fait une montre au mimbar. Qui dit moun pi attendre pour causer? Ou bien qui dit moun pi attendre pour demander? Ya Allah, fais la pluie tomber. C'est ça même qui je vais attendre là. Mais Omar radiallahu anhu n'est pas fin de demander à Allah subhanahu wa ta'ala la pluie premier. Et il finit lire, mais seulement il finit lire ayat Qur'an suivant. Et ayat Qur'an il dit Fakul tustaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Pas fin de demander la pluie. Première petite chose qu'il finit demander, il dit demande pardon avec ton Rabb. Certainement, il y a un grand pardonneur. Veut dire, tu besoin de demander pardon avant. Tu besoin gagne fait istighfar avant, ensuite yursil as-samaa'a 'alaykum midrara. Li'alla Allah subhanahu wa ta'ala li pour envoyer la pluie en abondance. Ensuite de ça, avec sa istighfar là, avec sa la pluie là, Allah qui donne encore wa yumdidkum bi amwalin et li pour augmenter votre richesse. Toujours avec istighfar là, commence pas que tu sois istighfar. La pluie tombée augmente notre richesse. Wabanin et l'ibou augmente notre descendance de notre bons enfants. Wa yaj'allakum jannati wa yaj'allakum anhara. Et sa personne-là, à la fin, l'ibou gagne un joli jardin de paradis et qui pour non, ben arriver qui pour passer avec sa jardin-là. Ensuite de ça, quand il finit faire ça, la pluie finit tomber. Quand il finit lire sa doula, il finit descendre au mimbar, la pluie finit tomber. Maintenant, capable nous pas réalise une petite chose, mais en vérité, nous sommes des hommes puissants. Nous sommes des hommes puissants pour tous nos problèmes. Parmi les solutions pour la Palestine qui nous a causé auparavant, c'est un, nous rétrape nos dînes correctement. Deuxième, c'est qui nous rend d'estirfar. Là, nous gagnons une victoire. Pas là-bas qu'ils ont fait istighfar. Ici même, ils ont fait istighfar. Nous-mêmes, nous avons commencé par istighfar. Maintenant, nous guettons quelques réalités ou bien quelques vertus de istighfar qui peut-être nous les connaissons,
mais seulement les bons qui nous font un rappel l'eau là. Premier, istighfar, il protège nous contre destruction. Abu Musa radiallahu an, les rapportés, il dit Kana lana amanan, qui nous tient des sécurités, veut dire dès que ceux qui peuvent protéger nous contre un problème ou bien une destruction, Zahaba ahaduhuma, qui en là-dedans de sa sécurité là, les fini aller. Wa huwa kaunu rasul fina. Alors ça c'était l'époque Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alors ban sahaba que je vais dire ça. Alors c'était première sécurité, c'est le fait que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui avec ban sahaba, ça c'était une protection. Nous peine ça, nous pas fin gagner ça l'occasion là. Ensuite les continuer et dire wa baqiya al-istighfar ma'ana, qui istighfar fin rester avec nous. فإذا ذهب سي استغفار عليه نو arrêter de dire astaghfirullah qui peut arriver nous peut être détruit. Ça c'est premier que tu premier vertu de istighfar, il peut protéger nous contre destruction. Deuxième vertu de istighfar, c'est qu'il protège nous contre azab, hein, contre ban punition l'enfer. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam li dit ya ma'ashar an-nisa, ô ban madame, tasaddaqna, donne sadaqa, wa akthirna l'istighfar, qui augmente istighfar, fa inni ra'aytukunna akthar ahlinnar, car certainement m'offin trouve zot parmi ban habitants, m'offin trouve beaucoup dans zot parmi ban habitants de l'enfer. C'est un hadith muslim. Alors nous capables de dire ça, ce hadith là adresse à ban madame, mais ça conseille qui fin vini pour ban madame là. Ça conseille là. Est-ce que nous vous rendons à Jannat 100%? Il dit qu'il plie beaucoup madame pour rendre à Jahannam. Alors nous aussi, Allah protège nous contre ça. Et une possibilité qu'il nous rende à Jahannam. Allah protège nous toujours contre ça, quelque chose là. Alors, de ce fait, ça aussi applique le nous. Le peuple existe pour madame, nous aussi nous donne sadaqa et nous demande istighfar afin que Allah subhanahu wa ta'ala protège nous aussi ban missier contre diffé l'enfer. Troisième petite chose, c'est istighfar lui augmente la force. Hud alayhi salam lui dit à ce peuple. Hud lui dit wa ya qawm istaghfiru rabbakum, ô mon peuple, demande pardon à cet Rab, thumma tubu ilayhi, et ensuite repentis auprès de cet Rab. Hein? Istighfar avec tauba, des petites choses qui nous vont expliquer un petit peu plus devant. C'est tous les deux, dire, demande pardon même. Alors, ô mon peuple, demande pardon à cet Rab, et repentis auprès de cet Rab. Yursil sama'a alaykum midrara. Ensuite de ça, je te rob pour envoyer la pluie profitable pour jet. Wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum. Allah subhanahu wa ta'ala li pour augmenter jet la force, l'eau la force qui je fin déjà ina. C'est à travers istighfar. Moi déjà ina certaines capacités de mon vie. Alors à travers istighfar, Allah subhanahu wa ta'ala li augmente sa la force là. Wala tatawallaw mujrimin, pas vin parmi ban criminel. Et quatrième petite chose qui nous capable dire concernant istighfar, qui surtout ça pour profit nous ban frère et sœur, nous maman, nous papa qui fini intégral, c'est qui istighfar li élève rang de une personne dans Jannah. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam li dit: Inna Allah azza wa jalla la yarfa'u ad-darajata lil-'abd as-salih fil-jannati ba'da mawtihi. Qui certainement Allah subhanahu wa ta'ala li pou élèvera un serviteur qui pieux dit déjà bon da janna après cela mort, veut dire déjà da janna. Et fa yaqul ya rab. Alors, ça, c'est habituel là, il connaît les stages, il trouvait, il peut monter dans Jannah. Et il dit, Ya Rab, il demandait, Ya Rab, Anna li hadihi, ça pour moi, ça, il peut étonner, il peut pas faire ça, mon action là, il peut pas faire ça, quelque chose qui peut, qui peut capable d'élever ce rang dans Jannah. Fayakoul, hein, Fayakoul, une parole jali répondit bi istighfari waladika laka, c'est un hadith Ibn Majah.
Alors, comment ce niveau peut augmenter d'Adjana? C'est par pardon de ses enfants. Alors qu'ils ne sont pas capables, en vérité, retournent tout faveur qui nos parents viennent faire au nous. Si quitte beaucoup, jamais nous ne pouvons pas retourner faveur qui nos parents viennent faire au nous. Mais au moins nous sommes capables de demander pardon pour eux. Au moins, nous sommes capables de faire juste gagner une meilleure place de Jannah, Inch'Allah, Amin. Cinquième, toujours concernant istighfar, c'est ban Anbiya fin faire istighfar. Mais dit, il y a une grande action dans lui-même. Il y a une action que nous avons honte ou bien nous hésiter. Ban Anbiya, parmi ban meilleurs dans l'humanité, je fin faire istighfar. Alors qui fait nous pas suivre, je pas le pas de ban Anbiya. Sulaiman alayhi salam, lui dit un prophète qui fin gagne autant de pouvoir, les cas communiquent avec les animaux, les tu veux voyager à travers les divans, autant de pouvoir les dire. Pourtant, il y a les rois de Salomon-là, les dire, « Rabbir firli, oh mon Rab, pardonne-moi. » Tout ça pouvoir-là, dans quoi ça? Parce qu'il y a un vrai Rab qui là-haut. Alors, les dire, « Oh mon Rab, pardonne-moi. » Ensuite, les demander, « Wahab li mulka la yambari li ahadim min ba'di. » Pardonne-moi et donne-moi un tel royaume qui en lutte apporte-moi pas pour gagner. Et c'est ça même qui est, non? Pena personne qui finit un royaume comme Sulaiman, alayhi salam. Inna ka antal wahab, qui certainement tu al wahab. Wahab qui veut dire, c'est celui qui donnait sans limite. Et il n'y a pas tant rien et tout. De là, frères et sœurs en islam, nous finissons comprendre que istighfar, les bien présents dans nous la vie de tous les jours, pareil comment nous l'oxygène est présent avec nous tous les jours, grand matin tantôt, sans qu'il y ait une coupure oubliée. Même nous Rasoul, sallallahu alayhi wa sallam, tu peux faire istighfar. Et ça, c'est une habitude quotidienne pour nous Rasoul, sallallahu alayhi wa sallam. Dans le hadith Ibn Majah, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit à l'imam, inni la astaghfirullah wa atubu ilayhi fil yawmi mi'ata marratin. Dans le hadith Ibn Majah, qui certainement m'a fait istighfar, m'a demandé pardon et m'a fait tauba, m'a repenti à Allah subhanahu wa ta'ala 100 fois dans un jour. Si Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, un être qui parfait, Lili peut demander pardon, Lili peut repentir. Alors nous, ben être qui faible, qui n'a beaucoup manquement dans nous, nous avons l'obligation pour demander pardon. Nous avons l'obligation pour repentir en tant qu'Ummat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Avant qu'il nous termine, maintenant, nous explique ça deux mots qui nous font prendre la tauba avec l'istighfar. Nous finissons de dire que Tauba et Istighfar, tous les deux, sont main theme, main quelque chose qui les concerne, c'est demander pardon. Tauba et Istighfar, c'est demander pardon. Mais il y a une différence entre ces deux quelque chose là. Par exemple, Tauba, c'est quand une personne il finit faire certains péchés spécifiques et il finit décide pour sortir là-dedans. Alors nous allons faire Tauba. Nous disons à cette personne-là, faire Tauba. Par exemple, un monsieur et une maîtresse. Sur l'habitude, ça, il n'est pas qu'à rester sans maîtresse. Il y a une maîtresse, mais arrive un jour, il trouve une famille peut souffrir, il finit réaliser, il doit errer, etc. Qui nous dit, fais tauba. Il fait tauba, il demande pardon spécifique pour sa PC là, et en même temps, il y a de seule intention qu'il ne va pas retourner vers ça. Il ne va pas retourner vers ça, même comme une tentation vous gagnez, il ne va pas retourner vers sa vis là. Ça, c'est tauba. Tandis que istighfar, li moins spécifique, li pas spécifié un péché spécifique lui-même. Alors nous dire istighfar lui-même, c'est une routine quotidienne quand nous demande pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que nous pas connaît combien de péchés nous pouvons faire par jour. Nous pas conscients, peine à personne qui peut donner nous un timeline ou bien une quantité combien nous pouvons faire en tant comme péché. Alors nous garde ce qui nous appelle istighfar une habitude. Après chaque namaz, nous demandons pardon
astaghfirullah, astaghfirullah, après namaz. Ou bien avant un dormi, nous fait istighfar. Ou bien dans nous ban l'occasion de solitude, nous demande istighfar. Et ça, ça quelque chose là, veut dire les générales là, il pas spécifié avec une quelque chose. Et ça quelque chose là, il pourrait faire tout un péché. Il ne pourrait pas faire une seule catégorie de péché, il pourrait faire tout un petit péché. Un grand péché, ça il besoin, nous besoin spécifié. Nous pouvons besoin spécifier. Si nous faisons shirk, nous pouvons besoin spécifier. Ya Allah, Mochal, que tel gourou, pardonne-moi. Ça me besoin spécifié. Mais tandis qu'on me dit istighfar, quand on me dit istighfar, astaghfirullah, astaghfirullah, tout un petit péché, mais pardonner, tigit, tigit, puis aller même. De là, nous terminons par une parole de Ali radiallahu anhu qui dit Allah ajabu limay yahlaku wa najatu ma'ahu. Les biens étranges et les biens drôles. Qui est une personne qui a levé la destruction, mais en même temps, il y a une petite chose avec lui qui peut s'appeler. Il est comme si un djimoun peut le noyer, mais seulement il y a une bouée à côté de lui. Ça, c'est en deux mots, c'est qui Ali radiallahu anhu, il peut dire. Et ensuite, on a dit qu'il a dit qu'il a dit qu'il a fait ça, qu'il a fait qu'il peut s'appeler sa personne qui peut lever la destruction là. Et il dit à l'estirfar, c'est demande pardon. De là, nous fin prendre connaissance que Allah subhanahu wa ta'ala fin de nous un grand cadeau, un grand homme dans lui-même, qui nous capable de servir quand nous en vie, nous capable de demander pardon. Pas une limite ça. Nous capable de demander pardon quand nous en vie, c'est juste qui nous a servi option là. Alors, nous faisons l'intention qui apporte aujourd'hui. Nous faisons le maximum qui nous met istighfar dans nos quotidiens. Nous faisons ça, vient l'habitude dans nous. Et certainement, avec istighfar, je vous trouver l'obéissance pour une plus facile. Et surtout, ben, la porte qui t'y ferme, ben, difficulté qui tient dans nous la vie, nous vous trouver ça, ben, la porte là pour ouvrir et pour amener la facilité. Inch'Allah. Amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam.